الشرف بحضورك بالتذاكر بهم. لماذا؟ لأن هذه أول مرة جهتي ومقاطعة جورجيا تقوم بتنظيم حضور القوي لهذه المعرض الدورة الثالثة للغذاء في الدور البيضاء. وهناك كما قال السيد حنجي نائب مدير عام بأن 70 شركة ممتاز في مجال الغذاء ومجال إنتاج الفورماج جبنة مثلثات أنواع جبنة كريمة جبنة مثلثات جبنة شيدر وجبنة قشتة والموجود في الدول الخليج والدول العربية هنا يجي بالدار البيضاء عشان نشوف الموزعين بالدار البيضاء دخلت منتجاتنا بالدار البيضاء إن شاء الله. Directeur de la société e-office NFC, donc on est en France, et nous avons créé une société au Maroc de distribution. Alors, on a créé une application qui s'appelle e-restaurant, qui s'applique aussi dans le domaine touristique et aussi pour l'agroalimentaire, qui permet d'avoir en 60 langues cartes menus de restaurant, avec les allergènes, et sous-titrés en plusieurs langues. Par exemple, pour le marché marocain, tous les plats, si un chinois veut l'utiliser, tous les plats vont être sous-titrés en français et en arabe pour que le serveur comprenne. Donc on a eu plusieurs prix, on a le grand prix du numérique et nos applications sont aussi adaptées pour les malvoyants, ça lit dans la langue du smartphone. Donc on a travaillé sur le handicap. Alors aujourd'hui, au niveau mondial, on est dans 15 pays, mais celui qui utilise le plus notre application au niveau mondial, c'est l'Argana à Marrakech. Je crois qu'ils sont quasiment à 80 ou 100 000 utilisations, ce qui est monstrueux. Donc les plus forts sont les Marocains au niveau de l'utilisation de nos applications.